Zaïe moi. Vous m'avez là suffit pour vous pavaner. Hein? Laisse ça, laisse ça, laisse ça. Qui t'avait bloqué? Attends. Qui t'avait fait quoi? Qui m'avait bloqué pour. Attends. Bon, qui t'a donc alors débloqué là où tu es là? Dernièrement, tu étais ici. Qui t'avait débloqué? Arrête de mentir comme un serpent. Hein? Le cas dans lequel tu es venu là-bas, là, je ne sais pas si tu es de mon atelier pour venir faire sa livraison. Hein? Ça donnait un coup là-bas, là, tu étais graissé. Hein? Un nec là-bas, là, tu viens là, tu dis que menetone. Hein? Faut arrêter ça. Quel autre compte? Laisse ça. Arrête de venir dire que tu es ton. Tu es que les ton. Tu peux parler ton. Christian JP, bigot. Arrêtez ce que vous faites. Hein? Vous êtes là. Yugou. Hein? Hein? Et tu ne vis même pas ici en France, tu as un nom français de Guy. Hein? Non mais c'est un menteur la marque de Marguerite. Est-ce que moi je peux bloquer Alain Guy? Hein? Vous-même, il était ici. Hein? Il n'avait pas son respect ici. Hein? Tu crois que celui que tu prononces là pouvait me demander de bloquer les gens? Hein? Est-ce que tu me connais même, Alain Guy? Et moi, je ne suis pas un suceur. Hein? Même si on dit que oui, tu peux me mettre là-bas là. Et que tu vas un peu me. Et je te mets ça devant les gens. C'est ça qu'on appelle ziglefant. Eh ou quoi? Eh, j'ai de l'orgueil, hein? Mikal, hein? C'est pas parce que je vous laisse souvent, vous venez là, vous jouez lui, la belle lui, hein? De comment vous rigolez. Hein? Vous croyez peut-être que vous êtes important. Celui de monsieur Van Bruy, un mazo, on insulte quelqu'un, il est dans le direct, hein? Dans un direct, on t'insulte. Et moi, je ne voulais pas laisser cette classe-là sur ma page, j'ai supprimé le direct-là. Hein? Est-ce que j'ai commenté là-bas, là? Hein? Vous voilà. Hein? Vous êtes là, faites comme moi. Tony, venez parler devant les gens. Venez parler devant les gens. Ne partez pas, fouinez vos narines partout pour jouer au dangereux alors que vous n'êtes rien du tout. J'ai dit, hey, en 2024, les gens qui ne se montrent pas comme les nous là, aucun estime. Madouki Mina. Madouki. Parce que vous soufflez dans vos têtes. Ouais. Vous venez ici. Je vous ouvre les portes. Je vous fais des câlins. Sans oublier des caresses. Et vous croyez que oui, Nito. Non. Non. Voilà. Attends. Moi, je vais vous montrer mes nouveaux collègues. Ok? Monsieur Van Bruy. Au lieu de venir ici là un peu de jouer à la récup. Hein? Vous êtes là, vous jouez au lieu la belle. Hein? Qui vous connaît? Zaïe Mina. Hein? Pour venir dire que oui, vous pouvez. Hein?
Ouais. Aïe, 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 j'ai mis ça où? Mais quand je suis seulement mauvais framponneur, mes gens. Mais quand je suis seulement mauvais framponné, mais. Hein? Non, 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 non. Toi, je ne sais pas. Laisse-moi un peu. Je cherche Bertrand. Vous êtes là. Je vais vous montrer les gens avec qui. Quand vous êtes là. En 2024, les gens avec qui moi je roule. Voilà. Et c'est pour ça, monsieur vend bruit, le goumen de ça. Voilà. Voilà. On écoute. Regardez-moi, celui-ci. Tu es en train de clasher la veuve joyeuse parce que le Lofodia, parce qu'elles sont en problème. Arrête avec ça. Arrête avec ça de Il m'avait commencer. framponné. Quand on dit que tu es le Tinder des pies, tu dis que c'est pas vrai. Pourquoi tu clashes la veuve? Tu clashes la veuve pourquoi? Laisse-la tranquille, n'entre pas dans leurs choses. C'est des histoires, ça regarde la veuve et sa copine d'Aqua, comme tu dis. Sa co d'Aqua. Pourquoi tu viens de rentrer dedans? Donc arrête ça, aide-moi à les tester. C'est leur histoire, c'est leur guéguerre, c'est leur problème. Laisse-les dans leurs histoires. Quand tu viens, tu commences à rentrer dedans. Tu n'as pas besoin de rentrer dedans. Je suis désolé. Tinda, Tinda, oh, Tinda, Tinda, oh, Tinda. Mais c'est quoi avec le aide-moi à détester? On est fatigué du aide-moi à détester. Ah bon, hein? Mais c'est quoi? Tu es un grand blogueur comme toi. Ton but, donc tu es là uniquement pour le aide-moi à détester. Donc ça veut dire que tu es sorti sauver Lolo Fodia. Puis, Chua Chua Yoyo. Tu sors sauver Chua Chua Yoyo. C'est entre deux femmes. Donc ne te mêle pas. Laisse-les faire leurs choses. Laisse-les faire les choses entre maman, entre copines, entre co, comme tu as dit toi-même. Mais pourquoi tu rentres dedans? Hein? Pourquoi tu rentres dedans? Hier, bon, de toute façon, c'est une vieille histoire entre les deux femmes. Tu n'étais pas là, personne n'était là. La veuve a raconté hier chez moi la genèse. Voilà. Et elle a raconté la genèse et on a entendu. Ça s'arrête là. Mais après, bon, on ne peut pas savoir plus que les deux. Donc, ce qu'on a retenu, c'est que la veuve dit que Lulu Fouda ne la connaît pas. Donc elle arrête de dire des choses sur elle. Elles ne se sont jamais vues. Elle ne connaît ni Laetitia, ni Dania Enamoué. Elles ne sont jamais vraiment elles sont vues une fois. Allez loin avec ça. Donc il faut pas rentrer dedans. Donc en fait, Fodia a besoin d'exister. Vous voyez, parce que bon, maintenant c'est la disette sur Internet, il n'y a pas une invitée à présenter. Mais donc, de comme Amougou, du coup, tu es là, tu fais le chou gras des ténébreux, avec le nom de la veuve. C'est bon, quoi. C'est quoi avec, c'est comment? Tu rabâches la même chose chaque jour. Oh, elle a fermé ma page. Oh, mais continue comme ça, elle va fermer, même celle-là, elle va fermer la nouvelle. Ah bon, hein? Tu rentres dans les choses, pourquoi? Hein? Pourquoi tu rentres dans les choses? Ce sont deux copines, les meilleures copines, et tantôt les meilleures ennemies. C'est comme ça. Personne ne rentre dedans. Hein? Tu viens là, le aide-moi à les tester. Vous les ténébreux là, vous êtes tout comme ça. Le aide-moi à les tester. La veuve dit que Fodia ne la connaît pas. Et qu'elle a longtemps bavé sur Stéphane Fodia parce qu'elle faisait le ménage chez Sikou Madou. Et j'ai compris pourquoi est-ce qu'elle est restée longtemps avec ce bonhomme. Parce que Stéphane Fodia, c'était un garçon de la haute vallée. Il avait les moyens. Du moins, la mère avait les moyens. Et il vivait au Cameroun comme en Europe à l'époque. Donc c'est normal que Pi a vécu ça aussi. Parce que moi je ne comprenais pas.
comment est-ce qu'elle peut s'accrocher sur un homme, voilà, un beau ailleurs, comme ça, non. C'est parce qu'elle bavait depuis longtemps sur Stéphane. N'importe quoi. Vous voyez? Vous allez vous raconter des mensonges sur la veuve joyeuse. Donc, de comme à beaucoup, laisse le aide-moi détester. Voilà. Faut arrêter le aide-moi détester. Ça suffit. Tu es là, ton blog, c'est ça. Donc, tu es une branche de l'Olomagnan. Oui, tu es une branche de l'Olomagnan. Ça veut dire que quand on, dès qu'on parle, dès qu'on pique-pille, quelque part, hop, tu sors. Voilà. Je savais que tu devais parler de ça. Donc, ne rentre pas dedans. Donc, laisse la veuve tranquille. Laisse-la tranquille. Ne parle plus d'elle. Parce que je le sais pareil pour tout le monde. Moi, on m'a enjoint de là. Allez, moi aussi. Vous voyez, donc elle est comme ça. On la prend comme elle est. Tinda. Tinda, oh, Tinda. Tinda, oh, Tinda. Chaque jour, vous l'insultez. Elle a bien réussi sa vie. Ah bon, hein? Elle a réussi sa vie, je suis désolé. Elle a réussi sa vie. Elle a fait tout ce qu'il faut. Elle a fait tout ce qu'une femme doit faire à son âge. Donc, on ne peut pas dire qu'elle a échoué sa vie. Elle a échoué sa vie comment? Elle a des grands enfants. Pourtant, c'est ma petite sœur. La veuve, c'est ma petite sœur. Elle a accompli tellement de choses. Vous êtes là, vous l'insultez alors que votre vie est là. Mais montrez aussi ce que vos vies, on voit. Montrez vos vies. Waouh! Quelle petite écologie! Mais vous les ténébreux là, hein. Franchement, vous les ténébreux là, franchement. Eh, Beka m'avait sensibilisé ici. Hein. Eh, Matt, j'ai l'âme dans la nuit. Quand je goûte un peu, je les remember. Ma bagouche, pourquoi être d'accord avec. Laisse ma bagouche. Laisse ma bagouche. Moi, quand moi, je parle ma chose. Ok, faites vos contradictions là-bas là, en commentaire. Mais moi, on ne vient pas dire que oui ou non. Non, non. C'est moi qui parle. Faites vos commentaires. Commentez. Ok, voilà. Quelle contradiction vous parlez? Hein? Non, mais disons-nous des vérités vivantes. Hein? Alain Guillou. Nous attendons toujours, lorsque je dis pour Reming, on n'a pas une affaire, nous attendons toujours, Caroline Suske, big up, big up, big up. Je n'aime pas les menteurs. Je dis, toute personne qui prend les sous, ok, derrière, et qui vient là comme s'il était tout blanc, ou alors donner des leçons, moi, je ne considère pas la qualité là. Ok? Monsieur Zoro avait piégé Jipo Remingono ici là. L'histoire d'enveloppe. Alain Guillou, qu'est-ce que toi t'en dis? Et tu veux que moi je croie à celui-là? Hein? Il est ici. Depuis, il n'est plus jamais reparti au Cameroun. Mais il est au courant de tout. De tout. Et toi, tu t'accordes ça, non? Hein? On va même dire que tout ce qu'il raconte est vrai. Vous savez, pour avoir les pareilles informations, il faut avoir beaucoup d'argent. Ok? Ou alors, c'est vous qui sponsorisez Jipo Remingono pour que ça puisse payer les gens hein, qui lui informent tous les jours. Donc, il faut arrêter ça. J'ai dit, il y a des choses, moi, je ne peux pas croire si je ne vois pas. Ce n'est pas difficile à comprendre. Hein? Vous-même, il y a des choses là sur la toile. Il y a des choses là. C'est tout le monde qui vient parler. Des illettrés viennent parler. Hein? Même ceux qui n'ont pas assisté à la scène viennent parler. Hein? Et c'est vous les followers qui souffrez. Hein? Vous voilà, vous faites le chercher le mot. Depuis le chercher le mot, ils sont là. On t'a dit que moi je bloque les gens. Je bloque les gens qui viennent insulter les followers. Toi tu m'insultes, je vais t'insulter. Mais si tu manques de respect à une fidèle ou bien fidèle qui est assidue ici, mais je veux te framponner. Je t'enlève. Arrêtez ce que vous faites là. Allez au Cameroun. 2025, demain. Allez parler à la population. Au lieu de faire les roucascas partout.
Vous partez dans les pays des gens, faites de la cobo poussière. Hein? Hein? Moi, j'ai dit, tous ceux qui sont là sur Facebook, qui reçoivent les sous pour certains dossiers, et c'est comme ça aussi, ils sont capables de s'asseoir sur une vérité et venir nous donner le mensonge. Quand tu payes les sous, tu es capable de cacher la vérité. Ok? Voilà. Tu as d'accordisé, toi Landiou, tu as d'accordisé ce que la baronne de Suisse et Vasselon fait, non? Oui. Tu as d'accordisé. Ouais. C'est sûr. Serge Tamba, toi tu peux framponner Serge Tamba. Serge Tamba appelle Vasselon, dit laisse ce que tu fais là. Viens qu'on en couloir des lions. C'est sûr que toi tu vas framponner Serge Tamba. Parce que tu veux que Vasselon continue à filmer les rivières. Hein? Entre temps, les Ivoiriens hein, souffrent, la jeunesse souffre, les écoles et comme ça, beaucoup disent les clés. Faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Voilà. Le pouvoir, vous blaguez avec la nature. Ouais. Voilà Macron. Hein? Voilà Macron. Il est là, assis au calme. Vous savez ce qui s'était passé? Hein? Est-ce qu'on calculait même celui-là? Même pour le deuxième tour? Hein? Parce que vous êtes là, vous dites que vous êtes des politiciens, vous êtes sur Facebook. Hein? Partout on insulte le Cameroun que vous voulez diriger. Vous êtes là-bas versé. Les Ivoiriens insultent les Camerounais, les dirigeants, même le président. Ils insultent, vous partez là-bas la produire. C'est ça même. Et vous croyez que moi, je peux vous considérer? Hein? Est-ce que vous réfléchissez? Non. Hein? Vous voulez pas le pouvoir? Hein? Vous finissez d'abord de casser les ambassades partout dans le monde. Hein? Vous déchirez les passeports des gens. Hein? Vous déchirez les gros documents. Hein? Il y a d'autres hein, qui volent même les dessous de monsieur l'ambassadeur. Même le fromage que monsieur l'ambassadeur reçoit souvent, c'est... Hein? Voilà les gens. Vous avez tout pris. Même la chaise, Louis XV. Hein? Celui de Serge Anango. Les voilà, monsieur l'ingénieur, le gars vole jusqu'au dessous. Parce que c'est Hugo Boss. Lui, c'est la première fois qu'il porte la marque, c'est Janango. Il l'a pris jusqu'à la chaise, ok, Louis XV. Il l'a mis derrière sa vieille pelle. Cet ingénieur-là, il ne nous a jamais surpris. Voilà. Je n'ai jamais vu Serge Janango avec une belle paire de baskets. Rien. Toujours les rangs, moi, 500. Voilà, même quand il va à la plage à Nouama, il faut voir ça dit sa tenue de la plage. Le gars avait le slip. Ils sont là hein? Avec les t-shirts Célio, hein, Célio, hein, les ingénieurs de ça, hein, avec les gros salaires, on les voit, hein, jamais, hein. Chez eux, on a cuisiné la viande. Hein? Rien. La seule nourriture là-bas, là. Les repas là-bas, là, c'est des patates. Des pâtes. Hein? Serge Anango, il aime les lardons, mes gens. Les lardons. Du jamais vu. Hein? Le jour où vous voyez Serge Anango manger une bonne nourriture, hein? C'est toujours là où il part faire la gourmandise. Il faut arrêter ce que vous faites là. Ok? Vous êtes là, bac. Hein? Même pour manger des personnes, je ne sais pas. Serge Anango, le gars, il a peut-être cassé au moins 1 million de plats.
Surtout quand il mange avec le couteau et la fourchette. Il faut voir sa bouche. Mais voilà, le gars mâche mal. Mal. Moche à voir. Hein? Aucune finesse, rien. Je parle de Lyon. Je parle de Lyon comment. Quand je parle. Des pipi, big up, big up, big up. C'est comment. Je te dis, j'arrive, t'inquiète pas. J'arrive. J'arrive. On va faire quelque chose. Ça, je te promets. Dès que j'arrive, ok, je peux pas mettre une semaine sans conseiller. Le temps que je récupère un peu. François, MLB, big up, big up, big up. Hein? Il faut arrêter ça. Soyez vous-même. Soyez vous-même. Non, Alain Guillou, tu vas voir, moi j'ai dit, les lions vont monter en puissance. Ok? Parce que comme aujourd'hui, vous n'avez jamais compris que parfois, hein, c'est quand ils nous donnent le goumen, 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 goumen. Voilà. Vous allez voir le petit là, ou là, le gars, son but là, le gars va prendre une autre dimension. Ok? Il y a le petit Tchatcho Bill là. Non, ne mettez pas les étoiles. Faut pas mettre les étoiles. C'était François, big up, big up. Faut pas mettre les étoiles. Hein? Vous allez voir, le petit Tchatcho Bill, lui-même, il va prendre une autre dimension au prochain match, 6 jours. Ouais. Moi, il faut continuer à vos doigts. Parce que l'autre, je peux encore comprendre, un gardien de championnat. Voilà. Mais les tournois comme ça là, on doit. Je sens la présence. Le gars est vif. Le gars a le réflexe du kangourou. Mais l'eau qui est trop. Je ne sais pas, comme les gardiens d'école. C'est pour ça que. Il a dit que Phoenix, tu as vu quand Serge Anango mange. C'est d'une brutalité à outrance. Il dit que quand il a le couteau, et parfois, là où il partait souvent avec sa, toute sa famille, là, tu vois, il est là, il aime les ladons. Mais je n'ai jamais vu ça. Anango, il aime les ladons. Quand il mange, chop, 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 la bouche s'allonge comme ça, là, comme le derrière de l'escargot. Hein? Le gars est là, les icônes. Il dit que même un vendeur de viande, à l'abattoir, les gens là qui coupent les viandes avec les couteaux là. Le gars là, tu vois sa bouche. Hein? Aucune élégance. Vous sentez les gens avec des comportements de psychopathes. Voilà. Même quand vous êtes dans ces directs, le gars souvent des réactions que même. Attends. Yébenjina. Parfois, vous dites que mais vous dites que vous avez été à l'école. Hein? Et vous faites aussi comme moi. Hein? Moi, j'ai dit que oui, mais j'accepte, je ne suis rien. Voilà, on peut comprendre. Mais, ceux qui ont fait des caresses scolaires de 25 ans, anormal, c'est que ça nous manque ici sur Facebook, c'est la magie. Hein? Okay. Tu me dis, passe au pas nous des lions, et tu réponds à toi-même, est-ce que je te gère? Laisse ça. Tu as cœur de poulet. Faut laisser. Voilà. Il faut voir Anango. Pareil, cœur de poulet. Oui, récupérata. Dès qu'il y a un dossier, hein, le gars est toujours là. Hein? Chop, chop, chop. Je n'ai jamais vu. C'est Anango. Je n'ai jamais vu un cuisinier. C'est-à-dire un poulet loué. Hein? Ou bien alors de la viande, du poisson, il est toujours beladon. Hein? Ça, et c'est pour ça que vous voyez le gars en ventre baptisé, il faut voir ses joues. Hein? Le gars, un intellectuel qui manque de respect à tout le monde. Le gars manque comme un serpent. Le gars, ils ont cassé l'ambassade. Le seul à avoir volé les dessous de monsieur l'ambassadeur. Quelle honte! Hein? Quelle honte! Hein? J'ai dit, la cerise sur le gâteau, le gars même pris, même le fromage et les camemberts, vous savez, dans leur bureau là, il y a tout, les habits d'échange et ainsi de suite, tout, Serge Anango. Le gars a volé ça.
Ça dit, le siège Louis XV, le gars a pris ça là. Et il veut que il parle à l'ambassade, il dit qu'il part demander pardon. Hein? Les intellectuels. Hein? Ben là. Ils veulent changer la vie du peuple camerounais. Ils finissent d'abord de détruire. Hein? De détruire les institutions. Ils détruisent tout. Et après, quand ils vont prendre le pouvoir, hein? C'est toujours l'argent du contribuable, voilà, pour faire les réparations. Bande de bêtes. Hein? Mais ouais que non. Non. Lis le commentaire, Mabak. Il a dit, Pasteur, parle-nous des lions. Et je vois, il répond, hein, à son commentaire là, il dit, est-ce que je te gère même? Y'a Benjina Mabak. Mabak Bouchou, tu me combats déjà. Lis un peu, non? Hein? Hein? Donc toi tu n'as pas. Il disait, est-ce que j'étais gêné donc alors qui? Il dit, il a répondu à son commentaire. Pasteur, parle-nous des lions. Voilà. Et en même temps, il répond à son commentaire là. Parle-nous des lions que est-ce que j'étais gêné même? Même là, Maba Gouchou. Qu'est-ce qu'il y a? Maba Gouchou, ça va? La semaine, si ça va? Dis-moi s'il faut que je vienne te poser les mains. Hein? Qu'est-ce qui ne va pas? Un humble radical, ça dit, tu râles beaucoup ces jours-ci. Hein? Non, ah ok. Non, mais c'est parce que j'ai vu, il répondait aux commentaires. Est-ce que j'ai mal vu, Mabak? Hein? J'ai dit que, mais comment tu peux répondre à ton commentaire? Tu me demandes de parler des lions. Hein? Ou on gaba foukane, est-ce que tu gères même? Non, les lions vont augmenter la vitesse de croisière. Vous ne savez pas. C'est souvent compliqué, même les éliminatoires. Hein? Ça a toujours été comme ça là. Les lions ont toujours. C'est toujours à la dernière minute que la théorie du danger. Non! Si tu veux que je vienne, non? Hein? Voici le week-end. Je viens te poser les mains parce que. Hein? On dirait que tu n'es pas dans ton assiette. Hein? Tu bois comme le pasteur. T'as dit. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Non, si il te faut, voilà, attends. Attends. J'ai tout. Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Qui te dira? Dis-moi. Je veux d'abord. Dis, tu sais que quand le perroquet à un moment, un jour, je ramène la Bible, je ramène de l'eau bénite. Voilà. Une fois j'avais fait ça, le gars, tellement à nous, l'amour de ça. Hein? Pasteur. Hein? Non, tu me supprimes toujours. Il faut toujours ramener la Bible. Il faut toujours. Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Réalda. Big up. Parce que ma bague. Hein? Non, je suis avec le pasteur. Non, attends. Est-ce que moi, je peux me durer dans mon verre pour ça, ma bague? Non, je t'ai fait quoi? Hein? Si je parle ma chose. Hein? Qui a la science infuse? Non, si je parle ma chose, j'ai parlé. Juste un mauvais esprit qui est de passage. Non, je n'aime pas te voir comme ça là. Voilà. Un mauvais esprit est de passage. Ça fait quoi? Hein? Ça cherche quoi? Bon. Et en passant, ce mauvais esprit là peut venir d'où? Hein? Ça peut venir. Ça vient de quel côté? C'est où? Sur Facebook? La famille, je ne sais pas. Hein? Mais parce que monsieur Van Bruy, lui-même, il délivre. Au lieu, comment. J'ai tout appris à celui-là ici. Comment on pose les mains, comment le gars. Il a laissé ça. Hein, du Kabindo. Mbunga, du Kabindo. Bon, maintenant, on va parler de Mbunga.
Hein? Bunga doit demander pardon hein? à Mangiata. Il existe. Je ne sais pas. Bunga doit demander pardon à Mangiata. Voilà. Et du Camer. Et du Camer, il ne sait pas. Il demande à du Camer. Hein? Tu dois venir me demander pardon ici. Pas ailleurs. Ici, tu montes ici. Franchement. Raoul, biga, tu es mon pasteur et mon soudeur. Biga, biga, biga. Il dit que Raoul, comment Monsieur Van Bouy peut demander aux gens, ça demande à du Camer que tu vas me demander pardon. Je te jure, et ici, c'est moi. Tu montes ici et tu viens me demander pardon. Ah non, bah, quelle audace. Voilà, le président. Le président. Vous-même, le président peut pas accepter ça, là. Le ridicule. Il va aller se faire ridiculiser. Il m'a bac. On demande à du Camer d'aller monter à l'extérieur. Voilà. Et aller demander pardon. Pardon. Ouais. Hein? Il avait insulté ma mère. Il avait insulté ma mère. Wow, 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 wow. Vous voyez celui de Mbunga. Hein? Il doit demander pardon à Mangiata. Hein? Merde. Quelle audace. Mais moi, du Cambido vient, du Camer vient monter là-bas. Là. Hein? Mais je reprends du Camer. Balata. Hein? Balata. Hein? Balata. Voilà mon Clio. Voilà. Je pars chez Bertrand sur ce monde. Je commente. Je peux monter, voilà, quand je veux. Voilà. J'ai du Camer. Je commente. Je peux monter. Voilà. Mais quand je viens là-bas, là, je reste en Caïman pour voir si l'esprit de Bété Bété l'a quitté. Mais Marie Bilonda, ma carrière, Zali, Zali, Zali. Hein? Non? Voilà, donc, je vous annonce la couleur. La page, là, bientôt, va commencer à faire la politique. Donc, Alain Guillaume, après toi, tu vas être chroniqueur quelque part. Voilà. Tu comprends? Comme tu aimes la politique, hein? Bientôt, Monsieur Van Bruy va commencer à politiser. Voilà. Je ne sais pas. Hein? Les syndicalistes... Bonne journée, big up, bonne journée. Hein? Non, tu as qu'un détracteur, Alain Guillaume, toi aussi, laisse ça. Tu as qu'un détracteur. Hein? Partout où tu vagouilles, même là, qui te prononce même là-bas, là? Hein? Qui te prononce là-bas, là? Tout le monde ici, hein? Presque toute la toile te connaissait déjà. Hein? Tous les jours, de Komamou, Alain Guillaume, Alain Guillaume, Alain Guillaume, Alain Guillaume, tellement j'ai framponné ton nom. Renvoie, renvoie, j'ai framponné ton nom, c'est sûr, même les gars sont venus dans ton e-box. Hein? 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 La machine partout, big up, big up, big up, big up. Et Alain Guillaume. Hein? C'est sûr que tant ici à l'église, toi-même, tu as reçu, parce que les gars grades, hein, tu as reçu, voilà, hein, de ces cancans messieurs dans ton e-box. Hein? Et parfois, quand vous récupérez comme ça, là, vous fuyez, vous ne venez même plus dire, hein? On ne vous voit plus. Hein? Donc, après toi, la page, là, bientôt, ça va commencer à parler politique. Ça a même commencé l'autre jour. Je ne sais pas si c'est passé inaperçu devant vous. Ça va commencer à parler politique. Alors que, il avait juré à l'église que, c'est terminé. Il a insulté les Camois, la Panthère. Tous ces gars-là, il a insulté.
Il a insulté. Sois un peu honnête envers vous-même. Ok? Arrêtez de vous mentir que vous voulez sauver les vies des autres. Sauvez d'abord vos vies. Voilà. Tu ne peux pas avoir faim toi-même et venir dire que oui, tu veux sauver les autres. Il faut arrêter ça. Voilà. Hein? Non. J'ai pas dit. Non. J'ai pas dit que tu gardes. J'ai dit, c'est sûr que. Pasteur. Oui. Pasteur. Oui. Bonjour. Bonjour, c'est comment? Je suis là, tranquille. Ça dit quoi? Ça va, ça va. Moi, je vis en Allemagne. Moi, je suis en Allemagne. Oui. Mais je te suis depuis un bon bout de temps. Oui. Dans tes directs. Mm. Et j'ai un problème. Le problème, c'est que il y a des sujets qui au Cameroun qui sont actuels. Vous ne parlez pas de ces problèmes-là. Il y a par exemple l'histoire de Bob Daki est là. Il y a par exemple on a encore l'histoire de Zogo qui est actuelle. Mais vous ne parlez pas de ça, vous parlez seulement de la bordellerie, des gens qui pinent à côté et tout ça. Non, mais j'en ai parlé. Moi, tu sais, moi, il y a des sujets quand ça arrive là sur la toile, auquel si tu me suis vraiment, tu comprends, je ne suis pas souvent pressé de sortir. Mais quand vous êtes des influenceurs, moi, je ne suis pas influenceur, moi, je suis quelqu'un, je vis chez moi, j'aime mes enfants et tout, je ne suis pas là-dedans. Ici en Allemagne, je connais beaucoup d'influenceurs, tout et tout. Mais je dis juste qu'à un certain moment, il faut qu'on soit responsable par rapport aux trucs qui se passent au pays. C'est-à-dire qu'il y a une histoire qui vient de sortir, là maintenant, sur Bobda, et puis il y a l'ancienne histoire de Martinez Zogo. Vous, les influenceurs, il faut que vous parlez de ça. La seule personne qui parle de ça, c'est Zippo et Rémi Ngono. Oui, j'ai pas encore me mêlé de l'histoire du monsieur, tu comprends, non? De mon côté, qu'est-ce que moi je peux faire? Parce que quoi, ça va un peu dans tous les sens. Moi, je peux sensibiliser, tu comprends? Je ne peux pas venir là, moi. Je n'ai pas le retour des gens, je ne suis pas comme les autres. Hein, pas... Donc, ce que moi je peux faire, c'est sensibiliser et je le dis, tu comprends? Ouais. Moi, je ne peux pas parler comme les autres. Les autres, eux, ils ont les informateurs, ils ont tout. Ils nous disaient souvent, moi, j'en ai rien. Je peux même venir ouvrir le plateau, n'est-ce pas? Ouais. Je peux même venir au plateau, tu comprends? Et laisser ceux qui veulent débattre, tu comprends? Il y a des choses, moi, je ne peux pas mettre ma bouche. Je n'aime pas parler les choses que moi, je ne maîtrise ouais, pas. Ouais, mais Pasteur, tu es quand même un grand influenceur dans ce que tu fais. Ça veut dire que sur Facebook, tu es un grand influenceur. Ça veut dire que les gens qui te suivent, si tu parles d'une histoire, disons, par exemple, que l'histoire, par exemple, de Bobda qui vient de sortir. J'ai vu Zippo et Mongono hier qui parlait de ça. Et puis, il y a l'histoire, parce que vous ne parlez pas de l'histoire de Zogo. J'en ai parlé. Bonsoir. Voilà. Donc, il ne faut pas pousser les vos pinéries que vous faites dehors, là. Ça n'a pas, ça nous intéresse pas, parce que chacun peut piner comme il veut. Mais dis-moi un peu, c'est pour ça que j'ai toujours dit aussi, Facebook a des zones, c'est pas n'importe qui peut se lever et venir parler de certains dossiers. Voilà, les nous sommes comme ça, là, qu'est-ce que nous pouvons faire? Là où, ok, il y a la bonne communion, nous on peut partager, tu comprends, on peut aller soutenir. Il y a des choses que moi je ne peux pas me mêler, je ne maîtrise rien. Voilà, je ne peux pas me mêler. Tout ce que je peux faire de mon côté, voilà.
de demander de sensibiliser, tu comprends? Des commandes rouges. Moi, je te supporte dans quand je regarde tes lives. Je te supporte dans tes lives parce que tu es quelqu'un qui dit la vérité. Mais le véritable problème, c'est que le sujet n'est pas à sa place. Ça veut dire que quand il y a un sujet actuel, il faut que tu parles de ça. Parce que si moi j'étais un influenceur, j'allais parler de ce qui se passe actuellement. On vient si, en Europe, mais si. Il y a des trucs au Cameroun qui se passent bizarrement. Non, mais Pasto. Oui. Bonjour d'abord à tout le monde. Bon après-midi à tout le monde. Je vais d'abord couper la parole au monsieur qui est en train de parler tout à l'heure. Si vous connaissez bien qui est Dekom Amogou, il y a eu beaucoup de sujets qui ont paru ici sur la toile. Lui, il prend beaucoup de retenue par rapport à beaucoup de choses. Il n'a pas des preuves. Ce qui va avancer. Il y a beaucoup de sujets ici. Il a évoqué, même depuis la fête de la vie, il a donné des conseils, il a parlé, il s'est limité. Là, il pouvait se limiter. Si vous ne connaissez pas, c'est que vous n'avez pas parlé. Saoul, tu peux être intelligent dans la vie, tu comprends, non? Je ne peux pas tenir des discours que quand tu n'as pas assisté, ne viens pas dire aux gens, parler aux gens comme si tu avais assisté à la scène, tu comprends? C'est pas bon. Je dis très bien, le cerveau de l'Africain est fatigué, avec des problèmes. Tu comprends? Aujourd'hui, quand on vient, on annonce, par exemple, que quelqu'un est décédé dans des circonstances, voilà, comme Martinez Zogo, ou bien, tu vois, Samy. Moi, j'ai pitié des gens qui veulent la vérité. Parce que ces gens-là se recrutent toujours là où on joue, tu comprends, non? Avec le cerveau. Le sentiment. Oui, parce que, monsieur, il y a les gens qui paient l'argent, qui sont capables même de se voir. Décombe. Laisse-moi te dire, nous parlons parce que nous sommes en Europe. Tu entends, je ne veux pas te mentir. Nous parlons parce que nous sommes en Europe. J'ai eu mon oncle qui était délégué général à la sécurité nationale à l'époque, qu'on appelait du Chloé. À l'époque, je pouvais parler. Mais à un certain moment, tu ne peux pas parler. Au Cameroun, quand tu es au Cameroun, tu ne peux pas parler. Parce qu'il y a des gens qui ont des gros bras qui font du n'importe quoi. Mais, et moi alors. Oui, toi, je te suis depuis presque... Et si moi, je me mets à faire du n'importe quoi. Décombe, je ne suis pas fâché de toi. C'est-à-dire que le véritable problème, c'est que tu ne prends pas. Tu dis que là-bas, là, on ne peut pas parler parce qu'il y a les gros bras. Oui, non, bon, à un certain moment, dans tes lives, tu parles seulement de pinerie de gauche à droite. Tu n'es pas assidu. Ça voudrait dire quoi? Tu n'es pas assidu. Je te dis, j'ai parlé. Si vous voulez, je viens de dire que le monsieur, tout ce qu'on racontait là, c'est ça. Non, moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. Qu'est-ce que je peux faire? Je demande si des personnes sont. Dernièrement, tu étais sur le sujet des footballeurs en Côte d'Ivoire. Ou bien des gars, celle-là qui est en Suisse, celle qui est en Suisse, là, qui ressemble à un homme là, qui est en Suisse. Oui. Bon, tu étais sur elle. Ça, c'est pas des sujets que tu... Normalement, il y a des sujets qui sont là. On a des sujets... Non, attends. Je suis plus d'accord avec toi. C'est comme ça que vous savez. Il y a les groupes là au Cameroun. On ne peut pas parler là-bas. Moi, je vais au Cameroun tout le temps. Ça veut dire, je ne vais pas mon avion, je vais les trouver les groupes là. J'ai dit, toi, tu n'es pas content parce que quoi? J'ai fait allusion à la baronne de Suisse et Bassero. C'est ça? Monsieur, oui, mais c'est parce que tu vas au Cameroun tout le temps que tu ne veux pas parler des choses du Cameroun. Monsieur, tu sais, si tu montes là comme ça en visage découvert, tu comprends, non, ça voulait dire en dessous de ton profil,
il y a une caméra. Tu appuies et tu fais ce que tu me demandes de faire. Voilà. Non, tu dis que on insulte même les gens d'État, les hommes d'État, on fait tout. Oui, mais tu dis qu'on ne peut pas parler au Cameroun parce qu'il y a les gros bras. Moi, je vais donc alors au Cameroun, constamment. Les gros bras, là, je peux les trouver là-bas. Pourquoi j'ai dit la baronne des Suisses, aucun et pas solo. Tu comprends? Voilà, je combat leur attitude. Voilà. Et tu as toujours combattu. Est-ce la première fois? Moi, quand tu dis que tu as suivi, je te dis que j'ai parlé l'histoire du monsieur. Ou bien vous voulez seulement que je vienne la dire, Pomba, c'est vrai, c'est ce que vous voulez. Il y a un problème que tu dois comprendre. Parce que chez toi, tu attaques quand tu commences à parler, tu parles tu dis la vérité. Quand je te suis, tu attends. Mais à un certain moment, Monsieur. Il y a un truc que vous ne comprenez pas. Non, monsieur, quand vous parlez, s'il vous plaît, de la position. Laisse-moi finir. Je parle à Décom. Décom est quelqu'un de bien. Il dit que lui, il veut. Comment on dit ça en français? Moi, je veux la paix. Je ne veux pas le Décom. Voilà. Je veux la... Donc, mais le véritable problème, c'est qu'à un certain moment, Décom prend le côté, un côté qui n'est pas bien. Dernièrement, quand il était avec le feignant qui allait vendre les bananes là au Cameroun, il a bassonné ici sur Facebook. Mais après, ils sont devenus les amis. Et ainsi de suite. Mais je dis juste à Décom que à un certain moment. Nous ne sommes pas devenus des amis. Regarde, moi je vais vous expliquer, n'est-ce pas? L'émission à cœur ouvert, c'était mon émission. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Ouais. Si vous avez vu Amel Kamer, ça veut dire qu'on m'avait demandé. On avait dit, s'il te plaît, Décom, est-ce que tu peux faire le plateau avec Amel Kamer? Est-ce que vous comprenez un peu? Ouais. Et donc, moi, je me suis retrouvé à Château Rouge, tu comprends? C'est pas moi qui invite Amel Kamer. Je ne peux pas traîner avec Amel Kamer pour rien au monde. Je ne peux pas. Lui-même, il fait partie des personnes qui mélangent avec les voitures et consorts. Hein? Moi, je ne veux pas les clous au Cameroun. Moi, je me soucie des gens que j'ai laissés, que ce soit le voisin, que ce soit. Hein? Oui, justement, c'est ça que je dis que il faut à un certain moment, il faut regarder, il ne faut pas seulement prendre un parti, le mettre de côté. Je suis un patriote, je respecte le mandat, c'est que beaucoup oui, ne font pas. Oui, parce que toi, tu framponnes tout le monde, c'est-à-dire que oui, tu framponnes oui. Claude de Lille, tu framponnes América Bay. Tu framponnes celle qui est là-bas, l'aide là qui est en Suisse là. Tu framponnes tout le monde. Ça c'est bien. Mais il y a des sujets dans l'actualité, c'est-à-dire que il y a des sujets que on a qui sont importants. Non mais il y a beaucoup là sur la toile. Il a dit vous voulez que toute la toile, hein? Vous voulez que toute la toile fasse ce que vous voulez? Il faut prendre la toile n'est pas là pour les baisements que vous faites là en France. Tu sais, nous faisons notre thérapie ici. Tu comprends? Voilà. Nous faisons notre thérapie ici. Ah, ici. Okay. Oui. Tu crois quoi? Okay, c'est la thérapie, aller baiser de gauche à droite. Hein? C'est la thérapie, aller baiser de gauche à droite. Aller baiser de gauche à droite? Oui. C'est la thérapie? Attends, c'est quelle insulte que tu veux déjà avancer là? Les qui baiser de ce gauche à pas, droite? Ce n'est pas une insulte. Moi-même, oui. je vis en Europe. Je vis en Europe. Je connais comment c'est difficile d'avoir une femme en hiver.
Mais moi, j'ai ma femme ici à la maison. Je la baise à toutes les minutes. Ouais, le monsieur ici. Hein? C'est quoi les histoires? Attends. Donc, toi aussi, l'esprit d'Isaac est ancré dans toi. Tu es en baise de partout. Tu es en Allemagne, moi, je suis ici. Et comment tu as su? Je sais qu'en Europe, pour avoir un homme en hiver, c'est compliqué. Oui. Donc, quand quelqu'un a sa femme, a trouvé une femme dehors, il va seulement passer du temps là-bas. Mais je dis, les femmes qui sont en Europe ont la jachère. Même les hommes, comme toi tu es là, tu as aussi la jachère. Parce que, peut-être qu'il te manque une femme. Bon, mais à un certain moment, aide-moi avec ta femme si elle va encore retourner en Allemagne. Tu dis? Donne-moi un peu ta femme. Si elle revient en Allemagne, tu enlèves mon nom. Ma femme ne parle pas le français. Ça lui est un problème. Elle est quoi? Elle est blanche? Non. Ma femme elle parle quoi? Ma femme parle seulement l'anglais. Elle parle seulement l'anglais. Elle est quoi, camerounaise? Hein? Elle est camerounaise? Non, elle est africaine. Elle est africaine, hein? Ouais. Bon, moi, comme tu dis qu'on se balade, tu comprends, non? Ouais. Pugnas. Donne-moi un peu ton adresse. Mon adresse? Oui, c'est là-bas, là, elle va venir la pini. Mon adresse en allemand. Oui. Okay. Elle ne parle pas. Tu comprends? Non, je veux parler avec toi. Je vais te donner mon adresse. Donne-moi ton adresse. C'est là où tu vas comprendre ta tête. Quand tu dis que les gens se baladent. Hein? Pugnasse. Prends le bic. Non, envoie-moi ta dame mon inbox sur Messenger. Tu as envoyé mon adresse dans ton. Pas un truc. Elle a quelle forme? Elle a au moins des poches parce que j'adore les femmes avec des poches. Elle a des poches? Non, ma femme n'est pas. Ma femme est comme Naomi Campbell. Ah bon? Ouais. Ma femme est stylide. Elle est comme Naomi Campbell. Donne-moi ton adresse. Sois en sûr, elle ne va plus te camber. Je vais t'envoyer mon adresse et la photo de ma femme. Tu vas voir à quoi elle ressemble. Je ne sais pas comment on envoie ça ici. Je pourrais t'envoyer ça par truc que tu allais voir. Je dis, et c'est comme ça que vous êtes. Lilian, can you come here, please? Have my friend here, I want to see you. Come. Non, mais le type ici. Et en plus, tu l'appelles même. Combien? C'est ta femme que tu appelles comme ça, c'est comme son gars. Attends. Je t'ai dit que ma femme est comme Naomi Campbell. Tu as vu? N'importe quoi. Femme. D'abord, ne m'envoie pas ton adresse. Hein? Ne m'envoie pas ton adresse, je veux caresser ça comment? Tu vas caresser, hein? C'est quoi? Tu ne vois pas que tu en fais partie des hommes hein, qui marquent les femmes. Tu ne vois pas que hein, elle est là. Je ne suis pas fâché contre toi. Mais le véritable je voulais te faire couler les larmes à gauche goutte. Mais c'est pas mon style. Moi, je suis en hiver. L'hiver. Je ne manque pas de femmes. L'été, j'ai encore d'autres femmes à côté. Moi, je m'en fous. Zigli. Ouais. T'attends. Hein. Vous venez souvent dans la gueule du loup. Hein? Je vais venir piner celle-là. Hein? Elle va prendre ton petit sac et venir ici en France. Oui, tu vas faire comment avec les enfants? Moi, je suis en France tous les jours. Ah bon? Je ne vis pas loin de la France. Tu es où, à Casbourg? Non, je suis où? À Mannheim, mais je vais en France tous les jours faire les affaires.
Je suis du littoral. Il est là. En bon, hein? Ouais. Sur la route de Manque, parce que peut-être que j'ai mal vu ta femme là. Je ne l'ai pas bien vu. Appelle à quoi? Elle a la cuisine, elle est en train de préparer. Mais va avec le téléphone là-bas. On veut la voir. Je veux voir au niveau de ses fesses si elle a des pouces. Non. Tu l'as vu, je te l'ai montré. Non, elle avait un peu peur, elle était un peu frustrée. Elle était frustrée, c'est pour ça, je n'ai pas bien vu sa beauté. Fais-la d'abord sourire avant de me montrer. J'ai eu ma femme est mannequin. Elle n'est pas dans les... Ma femme est mannequin. Elle n'est pas dans les camouflés là. Tu l'as vu, attends. Non. Non, t'es noir. Attends. Elle a quoi le pressing? Hein? Ah non, elle est pas où? Jimmy de venir. Non. Ma femme est mannequin. Elle est du Kenya. Elle vient du Kenya. Non, j'étais déjà en train de la séduire. Ah, vas-y, monte. Non, elle est bien poussée. Elle est poussée au salon aussi. Nous sommes au salon, on prend notre. Elle a déjà préparé. Vous faites des petits câlins. Oui, non. Le goût de ça. Voilà, tu parles là-bas, elle parle là. Non, mais le problème, c'est que quoi, elle n'a pas de poche. Moi, j'aime caresser les poches. Non, voilà. Le véritable problème, c'est que, des comme, moi, je t'aime bien. Quand elle est dans un lit, quand vous êtes dans le lit, est-ce qu'elle est calme ou bien. Hein? Dis-moi un peu, parce que je vois là, elle est peut-être que maltraitée. Hein? Elle ne subit pas la balle là chez toi. Ok. Ta femme là. Elle fait quoi? Elle ne subit pas. Quand tu as d'abord dit comme hier, j'ai vu, elle était un peu frustrée. Tu la tapes. Non, elle n'aime pas trop les histoires de Facebook là. C'est ça le véritable problème. Ah, elle est kenyane. Elle est kenyane. Je comprends. Parce que même ta sœur Douala ne pouvait pas te prendre. Je comprends. Non, moi je n'aime pas les camerounais. Les camerounais, c'est les marionnettes. Hein? Les femmes camerounaises, c'est les marionnettes. Donc tes sœurs camerounaises ont ton cloconto. Non, c'est vrai. Moi je t'ai dit, j'ai connu combien de camerounais ici en Europe. J'ai connu beaucoup avant que je ne rencontre une qui vient d'un autre pays. Ah bon, hein? J'ai connu beaucoup de Camerounais ici, même les je ne veux pas, je n'ai pas envie de prononcer ce nom, mais il y a beaucoup que j'ai connu ici. Des gens que tu prends tous les temps. Tu as dit que tu partais, non, Alain Guillou. Il y a Benjida. Pourquoi vous êtes comme ça, là? Monsieur Van Bruy, il revient déjà avec son profil. Le gars, il est assis, hein? Au calme. Le gars, hein, il ne pense même pas que oui. Des comme, même les gens que tu prends pour d'ici. Les gens que tu framponnes ici, là. Oui. On avait des relations. Les gens que tu framponnes là, de temps en temps, là, on avait des relations aussi. Hein? Ah bon? Oui. Tu avais goûté Flore. Il veut donc alors les citer. Tu as goûté Flore. Non, Flore. Flore, moi, je ne la connais pas. Je parle de l'Allemagne, je viens en Allemagne, je ne dis pas en France. Mais elle soit là-bas, là. Je crois que c'était toi, tant quoi. Je ne sais pas là où elle vient, elle va avec Cologne, moi je ne suis pas avec Cologne, moi je suis à Francfort. Ah, tant quoi de Cologne, hein? Hein? Frédéric avait un chocolat là,
On appelait Satan quoi? Non, on n'est jamais venu à Francfort. Elle vient là-bas avec Cologne, Stuttgart, les trucs comme ça. Moi, je suis à Francfort. Tu l'aimes beaucoup quand même, Flor? Hein? Tu l'aimes beaucoup, non? Non, Flor est malhonnête. Elle est malhonnête. Ah bon? Ouais. Flor est malhonnête parce que elle a deux visages. Ah! Flor a deux visages. Deux fois, elle parle du bien de quelqu'un. Deux fois, est-ce la couverture de son côté? Parce que même hier ou bien avant-hier, j'ai vu Flor sur l'histoire de Bobda. Oui. Mais elle voulait couvrir Bobda. Et pourtant, Bobda, c'est un criminel. Comment toi, tu sais qu'il est criminel? Tu le connais? Je ne le connais pas, mais je suis quelqu'un qui a des relations au Cameroun, à Douala. J'ai des relations, je sais de quoi il s'agit. Et tu peux miser ta tête que tes relations là, hein, te disent la vérité. Pardon? Et tu es persuadé que tes relations qui sont à Douala là, ce garçon n'est pas innocent. Dans tout ce qu'on raconte là sur Facebook, il n'est pas innocent. C'est un criminel. On doit le condamner. Et on ne doit même pas le condamner. On doit le condamner à mort comme on doit condamner Abu Ghoubilinga à mort. C'est ça le véritable problème. Et c'est de ça que nous battons pour que le président de la République prend une décision pour les condamner à mort, c'est tout. Le reste, on s'en fout. Parce que ce qui détruise la jeunesse et certaines personnalités du Cameroun. Bon, tu ne vois pas alors que nous ne sommes pas tous pareils, tu comprends? J'espère très bien, lorsqu'il y a des pareils psychoses, tu comprends? Ouais. Voilà. Ouais. Et il y en a qui resteront toujours. Comme les deux combats Mourou, tu comprends? Ouais. Sans ancrer dans les profondeurs, tu comprends, non? Parce que ça, moi, oui. Regarde, est-ce que, voilà, l'affaire de Samy, n'est-ce pas les gens que tu veux que, voilà, ils ont pu ça, non? Ça a donné quoi? Oui, mais l'affaire de Samy, c'est une autre chose. C'est pas, l'affaire de Samy, c'est un truc, on doit demander à la fille là qui a les parfumeries là, ou bien je sais pas quoi, qui est marié au Turc là. Ça, on doit lui demander ce qui s'est passé avec Samy. Hein? Parce que tu ne peux pas. Cette histoire, j'ai essayé de regarder ça. Moi, ça m'a pas. Je n'ai pas compris parce que c'était une histoire très compliquée. Parce que tu ne peux pas aller à l'hôpital avec un bras cassé, après tu es mort. Ça ne marche pas. Nous vivons tous en Europe. On voit tout ce qui se passe. Moi, j'ai déjà vu les gens ici